avec vous, bienvenue sur Palmi Sakma Boulakay. Je tiens à nous voulons justement analyser en détail avec vous, eh bien, déclaration de l'ancien directeur de CDC. En fait, CDC, nous connaît justement, c'est agency, d'abord ici, qui a réglementé ça lorsqu'il y a infection, disease, virus, contamination, c'est ça, et c'est sur web sali ou toujours aller pour une suite dernier conseil de Néparon. Eh bien, ancien directeur là, t'as bail tout détail pour faire nous comprendre qui côté ni là, qui côté nous aller, qui ça nous attend. En fait, monsieur déclaré, il y a la guerre qui attend nous là puis devant. Et lui-même il dit que réponse que vous que n'a bail que nous pral bail avec Covid-19 nous supposé adapter. OK, monsieur a dit des séries de bagages pour comprendre exactement. Monsieur dit que je dis on a vécu l'autre temps et chaque temps parce que Covid-19 ça le coronavirus a une particularité. Différence de toute l'autre. Et ça veut dire que il y a différentes mesures. Je vous ai expliqué lorsque ça a été fait et tombé dans la Chine en tant qu'ancien directeur de CDC, lui-même il dit qu'il était très inquiété. Et en fait, il t'a exprimé inquiétude par plusieurs professionnels dans le domaine de la santé. Il t'a expliqué que ça arrivait et il t'a supplié rapide pour prendre des actions, pour capable préparer et chercher à comprendre qu'on a réussi à préparer. Mais dommage que il y a des gens qui n'ont pas de balle autant d'ampleur. Très peu de monde t'a anticipé que le coronavirus a gagné des impacts aussi catastrophiques. Il y a un nouvel virus qui sortit juste en Chine et qui fait un pays tant que l'Italie actuellement là à genoux. Pour plusieurs monde, je pense que par exemple, il y a une référence. Là, on a parlé de virus, ceci, on a aviaire, on a ensemble de virus, mais je pense que on n'a pas faire quelle référence avec justement le coronavirus là. C'est avec facilité qu'il est capable de transmettre. On dit qu'il y a une facilité pour le transmettre de monde à l'autre. Jamais dans l'histoire de l'humanité, par exemple, il y a une infection qui est aussi menaçante, qui est aussi dévastatrice pour la société. Jamais dans l'histoire de l'humanité, nous n'avons jamais assisté des pays aussi puissants, aussi riches, par exemple l'Italie, qui tellement de problèmes qu'on a pas même qu'à gagner des appareils respiratoires en carence pour faire face tellement moun a mouru. Nous apprenons aujourd'hui à peu près presque 600 moun mouri dans seul jour. Et les États-Unis déjà commencé à brûler en mouille parce que yo dou que yo pas gagné. Bon, les États-Unis quelque part tout le dit moun ça sont radel parce que yo pas jamais préparé système sanitaire, yo c'est comme t'a fait privatiser bill donc yo pas préparé comme quoi pour un système sanitaire côté que l'État a payé des monde. C'est ça le problème là. C'est que qu'on est là, il a pris les barres en haut, barres en bas et non dernier cafou là. Donc jamais dans l'histoire de l'humanité, on monte pas très plusieurs et professionnels au niveau de la santé à travers le monde qui infectés par le virus là et ont commencé paix. Maman, tu comprends ça, ça veut dire. Qui ça nous apprend depuis le virus a débarqué? Expérience qui fait dans notre pays capable de nous comprendre, Jean le marché à qui ça pour nous préparer, nous même pas bon ici. Il y a un bon bagage que nous apprenons des virus là. Et chaque jour qui passe, il y a gagné de nouvelles informations que y a bien plus comprendre. Et on dit chaque heure, tout gagne de nouvelles données qui sortent sous lit. Mais en fait, je vais parler de 5 bagages que dernière semaine qui se passe là, ils ont venu apprendre. Ils apprennent que le virus est beaucoup plus infectieux, ça veut dire beaucoup plus capable. Par exemple, il a considéré bon virus dans le passé qui est le SARS virus. Il a dit qu'il dépassait le virus ça longtemps. En fait, SARS virus, c'est un virus qui a en pile ressemblance avec le coronavirus là. Nouvelle donnée ont montré que virus, avec coronavirus ça, il est facile, il est capable de contaminer des surfaces, il est capable de faire étaler rapide, il est capable de faire plusieurs temps sur des surfaces et il est capable de rester sous porte. Au moins, on va ouvrir porte, élévateur, bouton, élévateur, capable de contaminer. Donc, l'autre côté encore, ce qui va une spécificité par rapport à l'autre jour. Je vais apprendre que, comparativement avec SARS, qui est un virus que tout le monde connaît, qui plus ou moins semblé avec le coronavirus là, et les gens qui prennent Covid et coronavirus là, ils sont vraiment venus très infectés avant même que ils ont commencé malade. Nous avons dit ça déjà. Nous n'avons pas maladie bien gamme et puis maladie dans derrière les villes qui transmettent. Par contre, ça pour montrer que et coronavirus ça, les c'est comparé parce que nous avons des gens qui ont dit sur Obama, tel virus, tel pas. Non, beaucoup de gens ont un virus comme ça. Et c'est pas seulement le fait que on dit monde qui plus âgé, monde qui maladif yo, santé yo fébrile, qui capable de mourir, mais je dis jeune yo tout qui en fait jeune qui très en santé, yo capable yo montre que yo capable développer de série de pneumonies virales. C'est vrai que yo montre que moun sa yo capable gagner ça nous a relé des séries de bagages qui prend pile temps de sévère pneumonie qui va prendre des semaines. N'a parlé de jeunes yo en vent pour yo t'arriver vinn rétabli yo. Donc yo constaté yo de manière explosive genre que secteur médical là on nous dit overall dépassé, débordé. C'est ça le fait dans notre pays. Débordé, vous n'êtes pas capable encore. Vous n'êtes pas compté pour résoudre la maladie. Vous débordé. Donc, nous connaissons que l'Italie est obligée de faire appel avec les militaires. Débordé, c'est ça, les Américains ne peuvent pas le prendre là. Ça veut dire que ça, c'est un virus côté que, parce que, comme on vient aujourd'hui pour 10 à 14 jours, en avant que pour les gens ne sont pas capables de voir exactement pour sévérité à développer. Donc, ça veut dire que, même dans le cas de la Chine, là, bon, comment ça va passer là? La Chine, présentement, nous connaissons que la révolte de victoire, mais on dit, il y a suivi le tout. Si il y a 2-3 grandes qui sont infectés, il y a 2-3 grandes qui sont infectés, beaucoup développés, et qui ont commencé, ils sont capables de transmettre encore. Donc la Chine, il y a un plan. Bien que je dis, pendant 2-3 jours, là, il y a une nouvelle case, mais ils n'ont pas regardé, ils ont un plan contingency, si on la réparé de l'autre côté encore, pour y faire le même mouvement encore. Donc c'est ça, vous comprenez. So, ils ont dit tout en vent pour nous. Ça pour nous parler des États-Unis. Pas mal d'être menti, bagaille ou bagaille, en va pour le béder, bagaille ou bagaille, plus mal. C'est dans ce sens ça. Donc, c'est un virus qui mettait l'économie globale là, sur la chaîne. Vous comprenez bien le vrai problème. D'ailleurs, parler de ventilateurs, respirateurs, gants, c'est que le monde en problème. Tout le monde connaît, c'est la Chine qui est un véritable justement producteur. Il y a des problèmes dans le moment. C'est qu'on y a commencé par commencer à reprendre. Voilà ce qui explique que nous avons 40 de gants, on 40 de toute bagaille. Donc c'est ça pour nous comprendre. Donc, pour l'ancien directeur CDC, il dit, bah, ça va gagner l'autre nom. C'est la guerre. Mais clair. En fait, pour lui-même, c'est une guerre que nous avons là. Et en temps de guerre, stratégie importante. Ok? Elle dit que ça qui... Pour nous comprendre, qu'on y a parlé de flattening de curve. Quand on a dit, elle dit, sans oublier, la montée, faut nous faire un genre, bah ça cap monter pour nous flatter, pour nous réduire, pour nous faire le courbe, pour nous retourner. Et si nous quittons la prend pic, objectif là c'est flattening de curve. Ça c'est un rapport scientifique, oui. Elle veut dire, vu ça la montée, si nous quittons le sous pic simplement, mais il faut nous faire un genre pour nous. Justement, raplatil pour nous courber. Ok? Ça important, tactique important. Et comment pour nous protéger les patients, yo? Protéger et staff médical. Yo, bah, si yo même yo commence à malade, bah, vous comprenez, moun ki vous a aidé, moun yo, bah, la pi mal. C'est là, les patients ont augmenté. Donc, ça fait que l'hôpital débordé. Ça va permettre une augmentation de taux de mortalité et qu'à mettre ça dans le healthcare system worker vie à risque. Monsieur dit, ça vient puisque moi, organisation par là, lui-même qui mettait focus sur prévention. Parce que comment bien, tout le monde n'a pas l'emballage. La prévention, c'est ça qui met là. Qui gens pour empêcher que monde justement contacter et virus là et on dit pas de l'autre façon c'est pratiquer ça nous les social distancing mouvement les par distance là. Ok donc c'est meilleure façon pour capable dire pour contenir et quand on gadou son monstre faut ba monstre dans espace pour kembel et c'est tout le monde qui pour reculer corps yo souterrain justement pour capable maîtriser c'est ça à demander là. Pour être capable de maîtriser et vivre ça, il faut que tout le monde font j'en font bac. OK? Et pas oublier que et 6 semaines ça a passé là. Next semaine, depuis effectivement au power coupe ça prend direction pour le descendre c'est monter la montée. Nous mettons attendre nous mes amis pour quelqu'un ça relé National Guard. National Guard, nous comme ça veut dire et militaire pour aller débarquer dans la rue pour forcer tout le monde dedans. D'ailleurs, il commence à faire dans quelques states, New York, Californie, il y a des côtés. Mais le bon fait au niveau fédéral. Et ça veut dire que les dernières options, ils ne peuvent pas le faire. Et les affaires, ils veulent pour mettre les soldats en vent. Et ça nous est en quarantaine fédérale, en quarantaine nationale. Quarantaine, comment c'est fait? Ils font le state. Donc, côté que vous demander tout le monde net dans le pays pour faire 15 jours la caille. Et ça va vous dire que. Yo vle, en fait, Tanabdoula nous bien dit, semaine qui vient là, suivant Jean-Yves Koubla, c'est option ça va l'obliger faire. Et en ce sens, faut ne pas battre de mentir, depuis on dit tout le monde retourne dans tout le monde pas sorti, il y a un ensemble de monde, ça dépend de zone là, mais on connaît ça bien que grand pile zone après ça fait Rio l'outil, c'est de monde qui doit entrer dans store, entrer dans magasin, casser yo. Donc faut que yo mettez des soldats dehors pour protéger. Donc c'est dans ce sens là, son vous dit là, c'est nous non. We are approaching the war zone, n'a pas approché une zone de guerre. C'est ça que lié. Parce que la Chine, c'est pas son ça qu'elle arrive pour des victoires là. Ça nous les quarantaines. Là. Et c'est la donne que n'a pas approché. Et donc, approche justement ça qu'on va le faire là, c'est que il y a un ensemble de bagages qui pour demander réponse là. Le fait que par exemple sanitaire, surtout sop là, les gens qui parlent, en fait, professionnels de santé qui parlent matériel. Et on apprend que ces derniers jours, on approche tout, les gens qui parlent des préconditions, ça veut dire que c'est des gens qui sont déjà maladifs, ou bien des gens qui parlent âgés, généralement, ça peut passer là, lors du coronavirus, ils ne sont pas nécessairement demandés pour venir à l'hôpital. Il y a une quarantaine de tout, prendre des 3 bagages pour prendre, mettez quoi en quarantaine, ok? Et puis, parce que je connais que les gens n'ont pas gagné, ça n'a pas des préconditions maladie, c'est que il y a possibilité pour le capable, pour qu'on soit capable de guérir. Donc, ça c'est pour qui ça? C'est justement pour empêcher tout contact avec Sandarele et staff médical qui a infecté et besoin. Donc, c'est une population qui va avoir besoin d'un problème. Par contre, vous comprenez. Donc, si par exemple, pour une population personnelle médicale, qui tombe à malade. Bon, on mène là. Donc, stratégie à d'après, toujours ça Abdoulaye d'après, former directeur CDC. Mais priorité, il parlait de extensive testing. Il dit tester autant que possible. Et c'est ça, la Chine devait. Tester. Bah, le grand programme fait là. FDA a approuvé un coronavirus test capable de détecter le virus en 45 minutes. Semaine prochaine, là, il a commencé à publier. Mais ça, c'est une bonne nouvelle. Bon, ça, c'est une meilleure nouvelle. FDA a autorisé un nouveau test capable de détecter le coronavirus en 45 minutes. Nous parlons de Food and Drug Administration annoncé, il autorisé ça, on est premier rapide diagnostic test. C'est hier, il y a eu l'autorisation. Hein? Il a commencé chip semaine. Hein? C'est une compagnie qui fait donc là maintenant de la monde qui doit acheter. Mais dans moment là, il y a une demande à travers l'hôpital, clinique, en fait, monde qui dans clinique yo, qui besoin gain. OK, il y a des individus qui cachent le tout. Il y a des gens dans l'hôpital. C'est si au Providence Saint-Joseph qui gagne 50 l'hôpital, il décrit test là qui gagne capacité avec grande efficacité. Donc, en fait, et je dis à président Mike Pence, tout dans le briefing que j'ai fait sur le coronavirus là, il déclare qu'il y a à peu près 195 000 Américains qui testaient et qui surpassaient 22 000. Donc voilà, je pense que ça a son gros programme. Donc, je pense que Je veux dire que tu as parlé de extensive testing, ça va l'aider. Donc, vous parlez de chaque patient qui a la fièvre, qui a toussé, qui a besoin de sanitaire, les ventilateurs. Vous parlez de tout. Ça va les repérer les gens qui sont en contact avec le coronavirus. Vous comprenez? De dire que les gens qui sont en contact, justement, pour capable mettre en quarantaine. Vous parlez tout de drive-through test. Des tests rapides. Donc voilà, et pas oublier que bon ensemble de baillements de tout pour docteur camper sous des séries de bagages qui pas urgent. D'ailleurs, si on a une maladie qu'on est là, on n'a pas besoin à l'hôpital, on n'a fait mal, whatever. Même opération, on dit qu'on a reporté tout. Donc c'est comme ça qu'on s'est à pied. Donc en clair, monsieur dit, il faut nous préparer nous dans les jours à venir pour nous livrer une véritable bataille contre le coronavirus parce que nous sommes en temps de guerre. D'accord? Nous devons te update ça pour vous. C'était une analyse justement de l'ancien directeur CDC. Nous voulons dire pour tout le monde capteur de nous. Je dis à minuit, c'est le dernier délai que le congressman nous a tête pour voter sur cause de Cobla. On va nous mettre dans la rue à faire connaître que Cobla a tombé. Nous voulons dire tout le monde, bah là beaucoup voter. Ok? Faut le passer, faut Sénat voter, faut député voter, faut Trump signer. C'est comme ça va la faire. Il y a un bon monde qui a venu en fake news, parler de USN, soit rempli, et vous voyez quoi. USN, c'est recensement, je le dis, mes amis. Recensement. Nous te connaissons, nous le fait déjà. Chaque 10 ans, le fait dans le pays. Vous voyez la caille, tout le monde. Ok? Donc, vous m'avez dit, à l'online, pour full, pour recensement. Si vous ne faites pas, par contre, si le recensement a perturbé ça, mais l'idée, c'est que vous êtes supposé avoir un bon agent qui vous vient la caille. Bon, c'est ça que on dit que vous avez forcé les gens pour faire l'online qu'on est là. Par contre, vous comprenez. Vous voyez le bon là. Et parce que vous dites, c'est une obligation pour l'information sur pas faire, l'employé a pris la carreau pour poser des questions. Donc, ça veut dire, si vous avez un temps, on va faire l'online. Mais ce n'est pas pour Cobla. Ok? Vous devez porter précision ça. Donc voilà, et toujours été branché et connecté avec nous. On a essayé de faire effort justement plus tard pour nous connaître. Et pour nous décabler avant, pour nous donner d'autres updates additionnels. C'était un plaisir pour moi avec nous. Portez-nous tout bien. Bye bye tout le monde.